Bonjour, bienvenue à cette session d'information au sujet du diplôme d'études supérieures en psychothérapie de l'Université de Hearst. Je m'appelle Martine Laberge, c'est moi qui vais animer cette petite discussion avec nos deux professeurs principaux, je vais le dire comme ça, du programme, du DESP. Alors, je vais les laisser se présenter. On commence peut-être avec Jean-Pierre Bergevin. Oui, bonjour, mon nom c'est Jean-Pierre Bergevin, comme Martine vient de le dire. Je suis professeur à l'université depuis bon nombre d'années, un peu plus longtemps que mon collègue Michel, mais depuis septembre cette année, je suis professeur attitré là, au programme du DSP et un cours que j'enseigne seul, la théorie du counseling, et deux cours que je co-enseigne, si je peux dire ça de même, avec mon collègue Michel, qui sont les practicums 1 et 2. Michel? Oui, Michel Fortin, professeur à l'université depuis 16 ans maintenant, mais préalablement, j'étais dans le domaine de la santé mentale pendant près d'une vingtaine d'années. Puis là, je me prête, oui, à l'exercice de faire un travail intéressant avec Jean-Pierre, avec le DESP. On enseigne tous les deux ensemble le practicum, ce qui est une occasion vraiment spéciale d'initier nos étudiants et étudiantes là, à la pratique de la psychothérapie. Alors, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, messieurs, parce que vous êtes là pour ça, essentiellement, nous parler de ce programme-là, il consiste en, bon, plusieurs cours comme tels. La grande majorité sont offerts en visioconférence, donc Zoom ou peu importe. C'est donc à distance. Pouvez-vous me parler un peu du genre de cours qu'on retrouve dans ce programme-là? Tu y vas, Michel? Je peux y aller. Le programme consiste en 10 cours, 10 cours de 36 heures. La majorité de ces cours-là se font par visioconférence, comme tu le disais. Par exemple, le premier cours, c'est la théorie fondamentale du fonctionnement psychologique. Évidemment, chaque personne qui vient au programme de psychothérapie a un bon fondement en psychologie, mais quand même, on continue à bâtir sur leur fondement déjà. Ensuite, Jean-Pierre enseigne la théorie du counseling et de la psychothérapie. Je devrais te laisser parler de ça, Jean-Pierre. Bien, brièvement, comme tu dis, Michel, il ne faut pas oublier que le DSP construit sur la formation que les étudiantes ont eue auparavant, c'est-à-dire le diplôme requis pour faire le DSP, c'est un baccalauréat spécialisé soit en psychologie, principalement en psychologie, mais aussi dans des domaines connexes comme le travail social. Puis il y a aussi d'autres études dans les sciences sociales où les étudiantes pourraient être admises. Puis le cours de counseling, le counseling en psychothérapie, excusez, le cours de théorie en counseling en psychothérapie, c'est un cours qui fait j'ai envie de dire une révision, mais ce n'est pas tout à fait une révision. C'est de construire sur les notions que les étudiantes ont apprises, surtout dans les cours de relations d'aide, comme nous autres, comme l'Université de Hearst offre au bac, les cours de counseling, les cours de théorie de personnalité, un peu de psychopathologie aussi. Et le cours sert principalement, il faut se rappeler qu'on parle d'une formation professionnelle, on abordera ça un peu plus tard, là, le lien avec l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario. Mais c'est clair que rendu à ce niveau-là, l'objectif principal de ce cours-là, c'est qu'en révisant un peu les notions de base des grandes écoles de pensée en psychothérapie, c'est d'amener les étudiantes à commencer à se forger leur propre identité, sachant bien que les différentes approches en psychothérapie, qu'on parle d'approches plus psychodynamiques ou humanistes ou existentialistes ou systémiques ou encore cognitivo-behavioral, il y a beaucoup de là-dedans qui relève un peu de la personnalité et de la perspective que l'étudiante a du monde, si on peut dire ça de même. Du monde, je parle de l'univers, pas seulement des dynamiques individuelles. Et le cours, principalement, cherche à amener les étudiantes à réfléchir un peu sur leur approche, sachant bien qu'on s'en va, Michel, tu serais d'accord, vers ce qu'on a. Le mouvement plus contemporain, c'est vers une approche intégrative, c'est-à-dire où on emprunte un peu à différents modèles. Mais il reste que la tâche principale, c'est pour l'étudiante de prendre conscience de ça. Puis d'arrimer ça un peu avec sa vision du monde, puis sa vision du fonctionnement psychologique.
Alors, puis souvent, c'est un cours intéressant parce que les étudiants nous arrivent déjà avec un bagage. Alors, ça fait pour des dynamiques de discussion en salle de classe qui sont intéressantes. Mais clairement, l'objectif, c'est d'amener les étudiantes à commencer à se forger une identité de psychothérapeute, si je peux dire ça. C'est vraiment intéressant, ça. J'imagine que les discussions sont effectivement assez provocatrices, puis évocatrices sûrement à plein de niveaux. Michel, peut-être nous parler un tout petit peu des practicums, parce que je sais que vous venez d'en faire un, là. Donc, parle-nous de c'est quoi est-ce que je dis un cours? Parce que oui, c'est un cours, en fait. C'est un cours, OK. il y en a deux même, c'est comme un et deux, parce qu'il a lieu sa suite. L'université est vraiment dans le domaine de l'apprentissage expérientiel et le practicum est vraiment dans cette lignée-là aussi. Le practicum, ben, qu'est-ce que c'est? C'est un cours où on a un peu de théorie, mais on a aussi beaucoup de pratique. Donc, on va habiliter les étudiantes et étudiants à faire la pratique de la psychothérapie. Donc, il y a beaucoup de jeux de rôle, de vidéos, d'enregistrements, de supervision, de révision de ces enregistrements-là. Donc, on met les gens là, en position de pratiquer ce qu'est la thérapie, la psychothérapie, entre eux d'abord, puis parfois même avec des invités. Un cours bien intéressant, mais par contre, ce cours-là, il n'est pas nécessairement en visioconférence. On demande des gens de venir sur place pour faire cette pratique-là. D'accord. Alors, cette année, je sais que c'était à Kapuskasing. J'imagine que le campus s'est appelé peut-être à changer au fil des années, là. Mais bref, c'est un. Donc, il y a vraiment deux occasions dans le cadre de ce diplôme-là, le DESP. Il y a vraiment deux occasions de 3 semaines où vous allez devoir vous déplacer à un des campus, soit Timmins, Kapuskasing ou Hearst. Le reste du temps, donc pendant cette année-là, parce que le DSP est offert sur une année, donc vous allez pouvoir le faire par visioconférence, les autres cours, mais ces deux cours-là en particulier, c'est en personne. Puis on comprend pourquoi, parce qu'essentiellement, ben, c'est un practicum, donc on se pratique, on met nos apprentissages théoriques en pratique. Est-ce qu'on parle maintenant de peut-être, je ne sais pas, Michel, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Il ne faut pas oublier que notre système, c'est un système de blocs aussi. Hein? C'est pour ça que Oui. les gens Oui. peuvent se permettre de se déplacer pour 3 semaines. Chaque cours a une durée de 3 semaines. Donc, et on fait un cours à la fois seulement. C'est pour ça qu'on peut se permettre de se déplacer, par exemple, au bloc 4 et au bloc 8 pour les practicums en personne. Oui, merci Michel. J'aurais probablement dû en parler avant, mais c'est vrai que l'Université de Hearst est reconnue pour son approche académique complètement ben, différente, en fait. Donc, au lieu d'avoir un semestre avec 5 cours, un semestre traditionnel, si on veut le dire comme ça, là, à l'université, 5 cours en même temps, 5 cours pendant un semestre. Nous, c'est un cours à la fois pendant 3 semaines. C'est un cours intense. On a 3 heures de cours par jour du lundi au jeudi, soit en avant-midi ou en après-midi. Et après les 3 semaines, ben, on passe au prochain cours. Si vous voulez en savoir davantage sur le modèle de bloc de l'Université de Hearst, je vous invite à aller consulter notre site Internet. Je vais le mettre justement à l'écran. Alors, c'est facile, vous allez voir, c'est un modèle pédagogique qui fait vraiment le bonheur des étudiantes et des étudiants. Parce qu'au lieu d'avoir des fins de session complètement folles avec des examens, avec des travaux à remettre, dans le cas de l'Université de Hearst, c'est des blocs. C'est vraiment pendant 3 semaines, on se penche et on se concentre sur une matière en particulier. Et au terme du 3 semaines, l'évaluation est complétée, le cours est complété comme tel. On a nos 3 crédits et on passe au prochain cours. Alors, c'est le modèle pédagogique de l'Université de Hearst. Encore une fois, allez visiter notre site Internet pour en apprendre davantage. Merci, Michel. Alors, un petit mot peut-être sur ben, l'ordre des psychothérapeutes de l'Ontario, l'OPAO. Pourquoi est-ce qu'on dit que le DESP de l'Université de Hearst, il est conforme aux consignes de l'OPAO et qu'est-ce que ça donne en fait dans la vie? Je peux-tu commencer un peu là-dessus, peut-être donner un peu de background, Martine. D'abord, vous pensez que le DSP,
Pour l'Université de Hearst, c'est un projet qui remonte à environ 3-4 ans, là, que c'est dans l'air là, du temps que, qu'on veut préparer ça. Mais je pense que c'est important de dire pourquoi on l'a créé. C'est que, il y a une loi qui est venue faire du titre et de la pratique de la profession de psychothérapeute un acte réservé. Alors, ça, c'est important de le dire, c'est que puis la loi a été mise en vigueur en 2019, mais ça faisait depuis 2008 que ça se tramait. Puis la loi en Ontario prévoit que toute personne qui veut s'afficher comme psychothérapeute doit être membre de l'Ordre professionnel des psychothérapeutes de l'Ontario, qui, on dit l'OPAO, c'est l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario. Et ça a créé, lorsque cette loi-là est entrée en vigueur, ça a eu un effet assez négatif sur nos diplômés du bac spécialisé en psychologie. Parce qu'avant que la loi soit proclamée, nos diplômés de bac, puis il faut se rappeler dans quelle région on vit, là. On est en manque de conseillères ou de conseillers en santé mentale, de psychothérapeutes. Alors, avant que cette loi-là soit proclamée, en 2019, nos diplômés du baccalauréat spécialisé pouvaient facilement se placer dans des agences de santé mentale, que ce soit toxicomanie, services pour enfants, services pour adultes, et sous supervision et encadrés dans la structure de l'agence, ces gens-là pouvaient pratiquer. Depuis 2019, ce n'est plus le cas. Parce que, puis c'est ça qui est un peu particulier du bac en psychologie, c'est que lorsqu'on a un baccalauréat en psychologie, on n'a pas une reconnaissance professionnelle. On nous accorde qu'on a un bac en psycho, ce qui est mieux que pas de n'avoir. Mais si on veut devenir psychologue, et les psychologues, eux autres, ont la permission de pratiquer l'acte de psychothérapie, il faut le doctorat, ce qui engage nécessairement les étudiantes à aller faire un autre 5-6 ans d'études. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours attrayant pour tout le monde de faire ça. Alors, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a approché l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario pour leur dire, nous avons envie de créer un programme post-bac qui offrirait aux étudiantes une formation leur permettant de faire demande pour devenir membre de l'Ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario. Et donc, on a travaillé très fort dans les dernières années, depuis 2019, pour créer ce programme-là, ce qui a exigé de nous, quand Michel parlait d'une structure de 10 cours qui sont en passant répartis sur un an complet. Donc, les étudiants qui ont commencé cette année fin d'août 2022 vont terminer à la fin d'août 2023. Alors, c'est 12 mois le programme. Alors, on a créé ce programme-là, on l'a organisé en 10 cours avec des practicums, avec des objectifs d'apprentissage, mais très, très calqué sur le modèle des profils, des compétences définies par l'Ordre des psychothérapeutes de l'Ontario. Alors, à ce moment-là, puis on a fait une demande pour que notre programme soit reconnu par l'OPAO. Et ça a été une bénédiction, hein, Michel? On ne s'attendait pas en soumettant notre programme. On a passé un an à travailler sur le format des cours, des objectifs. Puis, il faut se rappeler toujours à partir du profil de compétences défini par l'OPAO. Et c'est au mois de mars, je crois, 2021, Michel? Oui, qu'on a soumis notre demande. Puis, on a été, je veux dire, très, très agréablement surpris que notre programme a été accepté. Puis, on s'attendait à être obligé de faire des révisions, mais C'est souvent le cas, ouais. Il y a souvent des on nous a révisions, qui félicités. sont demandées, mais. Oui, c'est ça. Mais on nous a félicités sur notre programme. On était très contents et qu'on avait travaillé fort dessus. Alors, le programme, si les gens vont, par exemple, sur le site ontarien de l'OPAO, ils vont voir éducation, ils vont voir les programmes qui sont acceptés par l'OPAO comme donnant accès pour devenir membre. Et l'Université de Hearst est là. Puis on est là au même titre que l'École Union de Toronto, Yorkville du Nouveau-Brunswick. Il y a plein d'écoles qui sont reconnues et la nôtre aussi. Puis je pense que ce qui a été un gros avantage pour nous, c'est que quand on regarde la liste des programmes, on est le programme qui a le bac.
le DSP, la formation en français. Oui, la seule. Ouais, ben, comme c'est là, c'est la seule. D'accord. Alors, puis là, je m'excuse, Martine, mais en faisant ce grand préambule-là, j'ai oublié ta question. Je Je demandais quels sont les avantages. Alors, pour les gens jamais. qui nous écoutent, là, donc essentiellement, j'imagine que ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, c'est parce que vous avez soit un baccalauréat de 3 ans, vous dites je vais aller chercher ma spécialisation, ou encore vous avez un baccalauréat de 4 ans en psychologie et que vous intéressez justement au métier de psychothérapeute et d'intervention. Alors, Michel, qu'est-ce qu'on fait avec à partir du moment où on a ce bac spécialisé, qu'on s'inscrit au DISP à l'Université de Hearst, qu'on le complète et qu'on devient membre de l'Ordre des psychothérapeutes, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Notre programme, le DSP, rend les étudiants et étudiantes éligibles à l'OPAO. Là, il y a tout un processus qu'elles devront subir, si je peux Évidemment, c'est un ordre dire. professionnel, donc Un vous ordre allez devoir professionnel, évidemment donc passer un examen, etc., examen, etc. un cours de jurisprudence, etc., etc. Et en plus, elles devront cumuler un certain nombre d'heures en psychothérapie, en supervision, quelque chose comme ça. Mais nous, le programme, au moins, on les rend éligibles. Ce qui fait qu'elles peuvent, à ce moment-là, par exemple, là, être engagées par une agence, commencer à travailler, à être ce qu'on appelle là, une psychothérapeute autorisée stagiaire. Donc, elle peut accumuler ses heures et devenir une psychothérapeute autorisée autonome là, plus tard. Donc, ça l'ouvre les portes à ces gens-là. Pour un travail à plein d'endroits, comme Jean-Pierre l'a mentionné tout à l'heure, hein, dans toutes les agences communautaire, même en privé, tiens, c'est pas possible. Carrément cabinet de psychothérapeute. On pourrait créer ça ou travailler pour. Il y a des hôpitaux, des agences, conseils scolaires, j'imagine, dans leur. Toute personne ou tout endroit où on est activement à la recherche en ce moment, surtout de psychothérapeutes, ben oui, partout, partout, vous seriez donc, comme le disait Michel, éventuellement éligible à ce genre de travail-là, là. Clairement qu'un ordre professionnel, ça demande plein, plein de choses, mais le DSP vous offre, donc vous ouvre la voie vers cette adhésion à l'ordre professionnel des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario pour éventuellement travailler dans ce domaine-là, là. Et ça en 12 mois. Et ça, en 12 mois. Oui, il faut le répéter quand même. Alors, je vais prendre quelques instants parce qu'on a à peu près fini, si ça allait, du côté de la programmation. C'est bon. Toutes les informations, d'ailleurs, allez sur notre site web. Oui, Michel? On a négligé de manger, mon Dieu, de mentionner nos stages. On Ah, a quand OK. même 2 stages aussi, hein, à travers de ces 12 mois-là. Les étudiantes feront 2 stages. Un premier stage de 112 heures à raison d'une journée par semaine entre janvier et mars, avril, je pense. Et puis le deuxième stage, lui, qui est de 224 heures, 4 jours semaine, lui est en mai et juin. OK. Donc, Donc, vraiment de pouvoir s'immerser dans un milieu professionnel, voilà. établir des contacts, des liens de confiance, puis aussi mettre en pratique ce qu'on a appris, là. Et mettre en pratique ce qu'on a appris parce que c'est durant ces stages-là, nos étudiants et étudiantes vont faire du face-à-face avec la clientèle. Donc, vont voir des clients, vont faire de la psychothérapie sous supervision. Mais vraiment, là, c'est vraiment l'approche expérientielle que veux-tu. Puis là, bien, ça se termine avec un bon cours intéressant que Jean-Pierre va mener. D'ailleurs, le séminaire d'intégration, intégrer toute cette information-là. Oui, parce qu'on le Donc, rappelle, l'Université de Hearst, on est vraiment chef de file en termes d'apprentissage par l'expérience. C'est vraiment ce qui définit beaucoup l'Université de Hearst avec les blocs, évidemment. Alors, ça, Martine, peux-tu construire un peu sur les stages? Je pense que c'est important aussi de préciser, c'est bon que Michel l'ait rappelé parce que c'est très, très important, mais juste pour que les étudiants qui seraient intéressés comprennent, c'est que le premier semestre qui se déroule de la fin août jusqu'au mois de décembre, il y a 5 cours, dont un praticum. Le praticum 2 vient au deuxième semestre.
Ces cours-là, comme on dit, sont en ligne, sauf le practicum. Mais dès le deuxième semestre, il a été construit pour s'assurer que les étudiantes sont déjà en démarche présentement, là, depuis le début, pour se trouver un lieu de stage. Parce qu'il faut se rappeler qu'on offre le programme à toute personne qui vit en Ontario, principalement. Ça n'exclut pas les gens d'autres provinces, mais c'est clair que nous, on travaille dans le but de rendre l'adhésion professionnelle aux habitants de l'Ontario, parce que c'est en conformité avec l'OPAO. Mais, puis je parle au féminin comme c'est là, parce que nos candidates, c'est toutes des étudiantes présentement, là. Ces personnes-là travaillent en collaboration avec notre responsable des stages, Anne-Marie, mais aussi avec Sophie, qui est aussi notre grande coordonnatrice du DSP présentement. Toutes les étudiantes, peu importe leur provenance. Par exemple, on a deux personnes qui vivent dans la région d'Ottawa. On a une qui vit à Toronto. On en a qui vivent à Timmins, puis à New Liskeard, puis une à Hearst. Ces étudiantes-là sont déjà, les stages sont déjà identifiés. C'est-à-dire que, puis à partir de janvier, en raison d'une journée par semaine, ils ont leur cours régulier du lundi au jeudi. Tous les vendredis sont en stage à l'agence où on les a acceptés comme stagiaires. Et la plupart vont poursuivre au même endroit de façon plus intensive à partir de fin mars, début avril, en raison de 4 jours par semaine et une journée de supervision avec l'équipe du DSP. Donc, je veux renforcer ça parce que c'est clair que c'est à travers la pratique, à travers l'expérience, ou ce que nous, on appelle l'expérientiel, que les étudiants vont vraiment saisir, j'ai envie de dire, le noyau du métier, là. Alors, c'est une bonne chose, Michel, de rappeler ça, parce que les stages, c'est vraiment comme la pierre angulaire là, de tout notre programme. Merci. Alors, je vais juste rapidement, on va conclure avec ça, mais je voulais vous inviter à aller voir notre site Internet encore une fois, c'est le www.uhearst.ca, tout simple, vous faites barre oblique. DESP. Vous allez retrouver en fait plein d'informations. Je vais aller voir juste rapidement, je vais essayer de partager mon écran pour pouvoir vous donner un aperçu de à quoi ça ressemble. Alors, ça, c'est le site Internet principal de l'Université de Hearst. Vous allez voir ici, il y a un onglet vraiment spécifique pour le DESP sur lequel on clique. Ça va nous apporter ici. Vous allez retrouver donc toutes les informations nécessaires. On vous rappelle que c'est un programme à temps plein de 39 crédits qui peuvent être complétés à l'intérieur de 12 mois. Donc, on vous donne un bon aperçu du programme. Vous aurez donc la liste de cours, évidemment, si ce genre d'informations-là vous intéresse et qui devrait vous intéresser. Et ensuite, il y a le livret d'informations ici. Livret d'informations très, très intéressant aussi. Vous allez retrouver tout plein d'informations. Pour soumettre une demande, l'onglet est juste ici à droite, l'onglet qui va vous amener envers une autre page comme ça. On vous dit que vous aurez besoin d'une lettre de recommandation d'un professeur ou d'un superviseur, d'un curriculum vitae, évidemment, de vos relevés d'études post-secondaires. Et vous allez comme ça suivre les étapes suivantes. Il y aura ce formulaire de demande d'adhésion que vous allez remplir. Et encore une fois, étape suivante, etc. Donc, à partir du site web, si vous faites le www.uhearst.ca/DESP, vous allez vous retrouver donc avec l'onglet à droite dont je vous ai parlé, là, faites une demande, vous remplissez ces informations-là et éventuellement, comme ça, vous allez pouvoir faire demande d'admission au programme. Au diplôme plutôt d'études supérieures en psychothérapie de l'Université de Hearst. Alors, je vous remercie beaucoup, messieurs. Je vais arrêter le partage. On va revenir vers vous. Merci énormément d'avoir été là. Et puis, on espère, étudiants en psychologie, où que vous soyez, l'Université d'Ottawa, l'Université
de Laurentienne, l'Université de Hearst, dans la région de Toronto. Jean-Pierre le disait, en ce moment, il y a des étudiants d'un peu partout à travers la province qui suivent ce cours qui est offert en grande partie en ligne, je vous le rappelle. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un courriel aussi, j'ai oublié de le dire. Mes courriels, donc liaison avec un S, donc liaison ou @uhurst.ca. Si vous voulez envoyer un courriel, on va vous répondre évidemment. Merci, messieurs. Okay. Toujours un plaisir. Merci. À la prochaine. Bye, Michel.